chauffage des bâtiments, industrie, transport. Nous consommons aujourd'hui énormément d'énergie. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, cette énergie provient en grande partie de ressources fossiles fortement émettrices de CO2. Cela a un impact très important sur notre environnement. Réchauffement climatique, pollution de l'air, épuisement des ressources. Il nous faut donc réduire notre consommation d'énergie fossile et nos émissions de CO2. Pour cela, de nombreuses solutions sont disponibles. Dans un contexte de ressources de financement limitées, il est crucial de bien choisir les actions à mettre en œuvre en priorité. Cibler, c'est la clé du succès de l'efficacité énergétique. Aujourd'hui encore, de nombreuses surfaces tertiaires de tout type, commerce, bureaux, équipements collectifs, sont chauffées au fioul, énergie peu performante et très carbonée. Il est donc nécessaire à la fois de changer le système de chauffage et de mettre en place un dispositif de régulation technique du bâtiment. Cependant, selon le secteur d'activité, les économies réalisées et le temps de retour sur investissement peuvent être très variés. Cibler le secteur d'activité est donc primordial. Nous avons réalisé notre étude sur deux types de surfaces tertiaires, une école et un magasin. Pour l'école, remplacer le système de chauffage et installer une régulation coûte environ 70 euros par mètre carré. Ceci permettra d'économiser 1,60 euros par mètre carré et 9 kg de rejet de CO2 chaque année. L'investissement sera rentabilisé en 45 ans. Dans le cas d'un commerce, la même opération coûtera environ 50 euros par mètre carré. L'économie sera de 4 euros et 22 kg de rejet de CO2 par mètre carré chaque année. L'opération sera amortie en 12 ans. Bien sûr, le calcul peut être un peu différent selon le type de commerce, mais il reste important de bien cibler, en fonction de l'activité, les surfaces sur lesquelles il faut investir en priorité.